bien être à l'ombre. C'est pas bien d'être sous un olivier. C'est pas un olivier, ça. Ça a pas l'air. Bon, moi je suis bien. Thérapeutique. Imago. Folle, avoine. Voilà. Voilà. Toujours dans la série 2 pour le prix d'un. Pardon. Je suis revenu rue de la Huchette. Et tous les soirs je fais la quête. Rue de la Huchette. J'ai mon pipeau, mes petites clochettes. Un grand courant et mes baskets. Je suis malheureux et criblé d'être. T'as pas ça là, t'es le métro, une crête douce ou un esquimau. Les enfants jouaient, tous les vieillards fumaient en buvant du thé. Une femme fusil au dos avait l'air inquiet. Les oiseaux dans l'air semblaient suspendre leur vol de soleil sans rien comprendre. Déclinaient déjà. Semblait si tranquille ce jour-là Milley, mais une vie, c'est fragile, n'est-ce pas Mister, Mister Colley. Le ciel en passant frôlait les branches, au loin on voyait des fumées blanches, la rivière faisait un bruit étrange. Quand ils sont arrivés, les ballons crépitaient, les enfants apeurés ont cessé de jouer. Les vieillards alertés se sont regardés. Tous ces paysans sans se méprendre savaient qu'ils n'avaient rien à attendre. La mort implacable allait les prendre. Oui, c'était la fin. Tout semblait si tranquille ce jour-là Milley, mais une vie, c'est fragile, n'est-ce pas Mister, Mister Colley. Quand ils s'en sont allés, plus rien ne bougeait. Disloqués et criblés, les corps s'entassaient. Les paillotes brûlaient dans la nuit de mai sur Milley. La lune pleurait sur ce charnier, sur les champs dévastés. Quand ils furent massacrés, d'autres se sont levés. On ne peut écraser un peuple tout entier qui lutte depuis 30 ans pour se libérer. Les oiseaux loin semblaient suspendre leur vol et le soleil sans rien comprendre. Déclinaient déjà dans les méandres de la guerre sans fin.
semblait si facile. Ce jour-là, mille et une vie, c'est fragile, n'est-ce pas, Mister? Mister Colley. To the city.